Ah, si je le croise, moi, le moufti, croyez-moi, je lui dis, ah, je lui tire les oreilles. Attends, ça se fait pas de dire des bêtises comme ça. Pareil pour le pape. Hein. Bon coup de pied au cul, ça lui remettrait les idées en place. Ah, hein, Jeannot la breloque, là. Bon, puis Sharon et toute sa rabinerie, exactement pareil. Hein. Ah, mais tous les religieux, tous, ils vénèrent, Ah non, mais ça suffit. C'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils ont pas leur texte saint, leur torche-cul, là, qui te brandissent. Mais c'est ça! Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent avec leur bouquin, leur torche-cul, là. Hein. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens. Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lue ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, eh ben, ah oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? Eh ben, ça, c'est-à-dire que de là jusque-là, c'est chez moi, là. Hein? Hein? Ah oui, c'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers, parce que regarde. Et puis c'est signé, hein, je veux dire, tu vois, il y a le... Ah ben il y a tout le monde, hein. C'est Abraham, Julien, il y a c'est Moïse, il y a toute l'équipe. Hein. Sharon qui a fait la dernière page, je crois. Enfin bon, tous les gens compétents. Hein. Alors Mokhtar, il peut voir quand même. Montre. C'est bizarre, c'est quelle édition ça? Non, ça fait 500 ans qu'on a, j'ai pas encore vu. Non mais c'est incroyable, si t'es pas dans le délire, je veux dire, ça va être choquant. Hein. Non, calme-toi. Oh, mais c'est pareil. C'est pareil, non, mais c'est exactement la même chose en ce moment en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Hein. Là, c'est le Vatican qui a envoyé des missionnaires, avec le même torche-cul, hein, une autre marque, évidemment. Pleine brousse, comme ça, ils sont là, alors, ils sont là, comme ça. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est un chat. Tiens, viens là, toi. Tu peux venir ou pas? Parce que, est-ce que tu connais, Marie? La Vierge Marie, hein? Comment, Jésus, tu connais ou pas? On vous a expliqué ou pas? Alors en face, ils ont un papou, qui est comme ça, avec un étui pénien. Comme ça. C'est comme s'il y avait un papou qui allait voir le pape, avec son étui pénien, comme ça. Et voilà, il dit, tiens, tu sais que maintenant, il faut que tu mettes ça, hein, toi. Plus t'as la tremblote, alors tic tic tic. Oh non, mais c'est énervant. Avec leur dieu unique, là, ils font chier le monde. Ils anéantissent, ils massacrent avec ce dieu unique. Ils massacrent tout le monde.